Sur la côte atlantique, le week-end commence. Dîner, fête, l'alcool coule à flot. Le vendredi et le samedi soir, la route devient plus dangereuse. Alors pour tenter de sauver des vies, les gendarmes multiplient les contrôles. Après plus de 30 ans de service, Eric connaît bien les habitudes des fêtards et il sait où les attendre. C'est un petit point de passage récurrent, surtout le samedi soir. C'est-à-dire ? Voilà. Et bien parce que la boîte de nuit, elle se trouve par là-bas. Donc, c'est le point de passage. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui s'alcoolisent bien avant d'aller en boîte de nuit. Voilà. Quelques minutes plus tard, là, les premières voitures se présentent. Il est minuit passé et Eric a un mauvais pressentiment. Non ? Et alors ? Oh là là ! Ah, quand même ! Bonjour monsieur ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Et vous êtes sûr que vous voyez bien ? Oui ! Parce que même là en plein phare, j'ai cru que vous alliez pas vous arrêter. Si, si, si ! Ah oui ? Vous avez bien vu ma lampe quand même ! Tout à fait ! J'ai eu un doute. Pas de soucis, monsieur. D'accord. Allez, contrôle l'alcoolémie, monsieur. D'accord. Donc, ce filet loin continue. Vous n'avez rien consommé ? Non. Non ? Comment ça se fait que c'est marqué positif, là, monsieur ? Positif ? Oui, bah oui, monsieur. Regardez voir. Eh oui ! L'homme d'une soixantaine d'années revient d'une soirée chez des amis. Il affirme n'avoir bu aucune goutte d'alcool. Pourtant contrôlé positif, il doit désormais se soumettre à un test plus précis. Tu prépares l'éthylomètre, Antoine, s'il te plaît ? Vous allez me suivre jusqu'au camion, monsieur, on va vérifier ça à l'éthylomètre. Donc il va falloir souffler dans une autre machine, mais là, avec un souffle beaucoup plus long, d'accord ? Je ne souffle pas. Pardon ? Je ne souffle pas. Ben c'est pas un souci, monsieur, c'est refus de se soumettre, vous allez prendre le maximum. Plutôt calme jusque-là. Soudain, le conducteur change de comportement. Tu vas m'empêcher de partir ? Ah oui, ça c'est sûr. Vas-y. Il se met en colère et tente même d'intimider Eric. Alors moi, je suis dans le droit. Dans le droit. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez vu cette carte ? Quelle carte ? Vous l'avez vu ou pas ? Quelle carte ? Vous l'avez pas vu ? Ben non, je suis montrez-moi. Okay. Quelle carte, monsieur ? Ok. Quelle carte ? Alors, vous arrêtez de filmer. Montrez-moi votre carte, là. Qu'est-ce que vous voulez me montrer comme carte ? Je suis bien placé. Vous êtes bien placé. Bien placé. Attention, je suis bien placé. Bien placé de quoi, monsieur ? Oui. Non. Ça, c'est la carte d'électeur. Montrer une soi-disant carte que je n'ai jamais vue, c'était une carte d'électeur, hein, juste avec le bandeau bleu-blanc-rouge, en insinuant que monsieur était avocat. Donc il connaissait ses droits. Ça fait plus sourire qu'autre chose, mais c'est pas grave. Le conducteur cherche à tout prix à retarder son passage à l'éthylomètre, le temps de faire baisser son taux d'alcoolémie. Il est parti uriner dans les bois. Une stratégie bien connue par Gaëtan comme par tous les gendarmes. Il sait très bien qu'il est positif. Il essaie de gagner du temps. Bah oui. C'est pour ça qu'il a le chewing-gum. Il essaye de gagner un petit peu du temps. De voir si on s'énerve ou pas. Après avoir épuisé tous les prétextes, le conducteur n'a plus d'autre choix que de se soumettre. Soufflez bien. Là encore, l'homme est rusé et souffle le moins possible dans la machine. Il joue la montre. Et le problème de la machine, c'est que s'il souffle mal, ça va marquer souffle non acceptable. Donc à chaque fois, il faudra recommencer. Donc ça va l'énerver. Mais non. Là, il y a un problème. Vous pouvez filmer, là. Mais non, mais monsieur... J'ai soufflé deux fois dans leur truc, et ça n'a pas marché. Il n'y a rien. Ils continuent encore à insister. Et bien tout simplement, monsieur, j'ai pas bu. Vous êtes emmerdé. Vous voulez me prendre. Monsieur, vous vous approchez. Vous pouvez filmer. Monsieur, non. C'est une vraie pièce de théâtre, j'adore. Ça fait deux fois que je souffle. Ça fait deux fois que votre appareil ne détecte rien. Il n'a pas analysé. Il ne peut pas détecter s'il n'a pas analysé. Face à l'impassibilité des gendarmes... Bah approchez-vous, montrez-moi que vous n'avez pas bu. Le conducteur accepte enfin le test d'alcoolémie. Encore. Allez-y. Stop. Voilà, là on attention. Aura l'auto. 0,56. Ah, ben nous voilà quand même, on peut dire, 1 gramme d'eau. Vous avez plus d'un gramme d'alcool dans le sang, monsieur.
justice. C'est pas bon. Ah ben c'est pas bon, non. C'est pas bon du tout. Ah ouais. Voilà. Je suis capable de provoquer un accident. Alors comment vous pouvez expliquer que vous êtes roulé... Vous êtes alcoolisé au volant, monsieur. Ah ouais. Et comment vous pouvez expliquer que j'ai roulé depuis un moment? On peut pas l'expliquer, monsieur. Malheureusement, ou heureusement, vous avez pas eu d'accident. Et là, il a la chance. Ça, bah, si. Heureusement, vous n'avez pas eu d'accident. Alors, on a bien fait de vous arrêter maintenant. Je dirais même plus, heureusement, que vous n'avez pas eu d'accident avec quelqu'un qui n'a rien à voir. Parce que malheureusement, les gens qu'on croise tous les jours, eux, ils n'ont rien à voir. Donc là, on fait les papiers et c'est réglé. On va vous ramener chez vous, parce qu'on est des gendarmes gentils. Voilà. Ah, si monsieur reste gentil jusqu'au bout, si on a encore quelques papiers à remplir, n'est-ce pas? Eric a raison de se méfier car l'automobiliste va continuer à jouer avec les nerfs des gendarmes. Votre prénom, c'est... Oui. Comme vous voulez. Ah, c'est pas comme je veux, monsieur. C'est votre état civil, c'est pas le mien. Moi, je signe pas, parce que je conteste. Oui, pas de problème. Et c'est juste pour votre état civil, ça... Je veux rien. Et vous calmez. Je vais être convoqué devant quelqu'un que je vais rendre des comptes. J'y peux rien. Mais c'est avec moi que vous allez être convoqué. Eh ben... C'est pour ça que j'ai pris votre numéro de téléphone. Je ne fais plus confiance à rien. Refuse de signer? Ah oui. Je marque. Inscrivez greffier. Voilà, ah là, les joies du contrôle alcoolémie. Du samedi soir. Hé, hey, tu gardes mon permis? Bah oui, c'est prévu que je le garde, le permis. Hein. Il aime bien les effets de théâtre, cet homme-là. Je vous donne quand même un exemplaire? Même pas. Non plus? Ça, c'est comme quoi je garde le permis. Hein. Vous n'avez plus le droit de conduire. Vous rigolez ou quoi? Ah non. Eh ben, je vais appeler mon fils, il va ramener ma voiture. Ah ben, appelez votre fils, comme ça il vous récupère, vous et la voiture. Avec un taux d'alcoolémie plus de deux fois supérieur à la limite autorisée, l'homme se voit retirer sur le champ son permis de conduire. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Mais les gendarmes sont responsables de sa sécurité et ne peuvent pas le laisser repartir seul. Alors, le fiston, il arrive? Il n'y a personne qui arrive. Je rentre à pied. Ah, non plus. Ça veut dire quoi? Qu'on vous ramène. Ah non. Ah si. Pas. Ah, rien à foutre. Eh, écoutez, monsieur. Vous avez 10 secondes. Oh, vous avez 10 secondes, là? Non, c'est pas 10 secondes. Vous êtes en délit. Oui. D'accord? C'est un délit. Je rentre à pied. Non. Là, si vous continuez comme ça, je vous mets en garde à vue. Pourquoi vous me gardez à vue? Et là, vous allez, venir dans mon petit hôtel. Attendez. Une toute petite pièce, d'accord? Je rentre à pied. Vous allez pas m'empêcher. Non, vous ne rentrez pas à pied. Je rentre à pied. Non. Et bon, on va voir. Bah oui, c'est tout vu. Rien. Et vous allez arrêter de me crier dessus parce que ça va mal finir. Et bon, on va voir. Ouais. Les gendarmes ont l'interdiction de laisser repartir à pied un homme en état d'ivresse. Il serait responsable si un accident venait à se produire. Mais le chauffard refuse de comprendre et continue à s'agiter. Allez, vas-y. Bah, c'est l'alcool. Voilà, ni plus ni moins. Faut pas chercher. Bon, là, on est peut-être tombé aussi sur un cas. Hein. Voilà. Bien passé, ou quoi? Au bout de 30 minutes, le fils et la belle-fille de ce monsieur sont enfin arrivés. Mais vous prenez mon papier ou pas? Je prends votre papier, pas de souci. Voilà. Merci. Bah, tout à l'heure, vous en vouliez pas. J'ai dit, je m'y signe pas. D'accord. Allez, bon retour. Ce monsieur s'en sort plutôt bien. S'il avait refusé de souffler, la nuit, pour lui, aurait été beaucoup plus pénible. Bon, il a bien fait de souffler, quand même. Sinon, quoi? S'il n'allait pas à l'appareil, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était le refus de se soumettre. À partir du moment où il commence à souffler dans l'appareil, il n'y a plus de refus de se soumettre, puisqu'il est à la machine. Mais faire l'imbécile pour mal souffler, on aurait fait stop et direction l'hôpital, réquisition à médecin, prise de sang. Terminé. Comme ça, on aurait eu... Quoi qu'il arrive, un taux d'alcoolémie. Vous ne pouvez pas y couper. Ah non, négatif. Ah non, sinon ça serait trop facile. Le chauffeur écopera d'un retrait de 6 points et d'une amende de 250 euros. Comment on dit? Au suivant? Allez, je reprends ma lampe. Cette nuit-là, ils intercepteront encore 5 personnes en état d'ébriété au volant. Monsieur, bonsoir, contre l'alcoolémie. Mios, dans cet immeuble situé à quelques dizaines de mètres de l'autoroute, une unité de gendarmes qui se consacre à la sécurité routière. Une quarantaine d'hommes et de femmes qui rayonnent sur un tronçon de 120 km. Et il ne manque pas de travail,
voiture en feu. J'ai ouvert le capot, j'ai vu de la fumée, j'ai vu qu'il y avait des flammes, le temps de sortir, de balancer mes affaires par-dessus, par rapide, et là c'est parti. Ados qui mettent leur vie en danger. Je veux faire le malin sur la route, je mets des éléments de sécurité. Je suis en pantalon là, je me protège que dalle. Et lui, il prend des risques à cause de vous. C'est inadmissible. Poids lourd qui ne respecte pas les distances de sécurité. Le dépassement, interdit. En haut, en bas, sur les côtés, partout, dans les voitures cachées, dans les trucs. Maintenant, on se fait piéger de partout. Les gendarmes de l'autoroute sont sur tous les fronts. Ce matin-là, le lieutenant Christophe Dufour part en patrouille. Comme tous les gendarmes de l'autoroute, il a déjà vu beaucoup de catastrophes et il s'est habitué à la violence routière. Mais dans quelques secondes, une sonnerie de téléphone va le confronter à un des accidents les plus incroyables qu'il ait jamais vu. Ouais, Cédric. D'accord, elle est incarcérée dans la bagnole. Ok, elle est que blessée pour l'instant. Les pompiers sont pas sur place, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur une personne blessée. Pour l'instant. Mais elle est toujours à bord du véhicule. Là, on y arrive bientôt. Gyrophare et deux tons. Une femme est bloquée dans sa voiture. Il n'y a pas une seconde à perdre. Mais un obstacle se dresse soudain devant les gendarmes. Oh la vache, il passera pas. Le propriétaire de cette voiture de sport ne semble pas disposé à les laisser passer. Même si on le pousse, on va pas réussir à le bouger. Au bout de plusieurs minutes, la voiture se range enfin sur la file de droite. Oh, tu te... Non, c'est bon. Ça fait deux minutes. Allez, on... L'accident a provoqué un embouteillage. Voilà, ça c'est tout arrêté. Les gendarmes ne savent jamais ce qu'ils vont découvrir quand ils arrivent sur un accident. Et ce matin, la scène est surprenante. Oh punaise, la vache. La voiture est en équilibre sur le terre-plein central. On va se mettre là. Allez, on se met en protection là. Et il y a les personnes. D'abord le secours. Attention. Premier arrivé sur les lieux de l'accident, le lieutenant veut avant tout s'assurer de l'état de santé de la victime. Bonjour madame, la gendarmerie. Tout va bien ? Madame, j'imagine que dans une situation comme celle-ci, vous avez dû vivre... Chance. Vous avez énormément de chance, oui. Et je suis bien content de vous parler. Oui. Je suis ravie. Tout à fait. Donc là, on a neutralisé les voies. Là, vous êtes en sécurité telle que vous êtes là, donc il n'y a plus aucun danger pour l'instant. Les pompiers ont été appelés, ils vont arriver. On va vous sortir de là pour l'instant. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous vous sentez mal? De l'eau? De l'eau. Est-ce que tu as de l'eau avec toi? Cela fait 15 minutes que cette conductrice est en équilibre. Elle ose à peine bouger, de peur de faire basculer sa voiture. Mais comme sortir de là... Je préfère laisser les pompiers le faire, et parce qu'on ne sait jamais. Et déjà, ils vont établir avec vous un diagnostic, un bilan, pour savoir. Vous avez mal dans le dos, vous me dites ? Un peu, oui. Un peu. Après, c'est dû au choc, hein. C'est normal. C'est normal. Les pieds bougent ? D'accord. Le responsable de l'accident serait ce monsieur qui vient aux nouvelles. Le lieutenant le met immédiatement en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Conducteur de poids lourd, il a été victime d'une crevaison et sa roue avant gauche a éclaté. Quand le pneu a explosé, le camion s'est déporté et a fait grimper la voiture sur le séparateur. Les pompiers viennent d'arriver. Ils vont devoir sortir la victime avec précaution. Ouais, bon, là, on est face à une personne qui est consciente. J'ai rien du tout. La dame vit très bien, mais par contre, j'ai une voiture quand même sur le terre-plein central. 47 ans. Elle a quand même une douleur au niveau de la poitrine. Il faut que c'est la ceinture. Et là, on lui pose une attelle cervicale.
Les pompiers doivent à présent désincarcérer la conductrice. À l'aide d'une pince spécialement conçue pour venir à bout de la tôle la plus récalcitrante, c'est chose faite en moins de 5 minutes. La conductrice va être acheminée vers les urgences de l'hôpital de Bordeaux. L'objectif, vérifier qu'aucun organe interne n'a été touché. Mais le médecin du SMUR est plutôt confiant. Tout s'est plutôt bien passé. La dame a sûrement été sauvée par une voiture qui était assez neuve, je pense. Et non, son état de santé est très rassurant. Après, il faut quand même l'évacuer compte tenu de la cinétique pour faire un scanner corps entier. Il y a des lésions qui soient cachées par la bonne présentation de la patiente. Mais oui, a priori, ça, c'est plutôt confiant. Moi, je suis plutôt confiant. Mais bon, il faut quand même qu'elle fasse ses examens. Mais elle va bien. La victime reprend peu à peu ses esprits et se remémore l'accident qui aurait pu lui coûter la vie. J'ai juste vu le pneu éclater et me retrouver devant le camion. Je tremblais de partout. Mais après, ça va tellement vite. Ça va tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. Quoi. On se rend pas compte. Donc là, maintenant, j'ai juste envie de dire j'ai de la chance. Quoi. À l'hôpital, les examens ne détecteront aucune blessure. Un miracle. Cette femme rentrera chez elle quelques heures plus tard. Un peu plus loin, Christophe et Marie-Ophélie sont en place sur un contrôle de vitesse. Quand ils flashent une voiture lancée à 166 km/h. Alors c'est pas là, c'est la première là-bas. Hop, il va se rabattre et il va prendre Arcachon, je pense. Il a foutu les gaz. Hein. C'est le premier là-bas. La voiture est déjà loin, mais Christophe ne le perd pas de vue. Le conducteur prend la direction du bassin d'Arcachon et ne ralentit pas pour autant sa vitesse. Là, il va être au taquet tout le long. On ne va pas l'avoir. C'est une Toyota. Il est sorti. Tu regardes s'il passe sur le pont ou s'il part à droite. Il est parti à droite. Donc on va aller l'attendre à Villanos. Christophe sait qu'avec son véhicule, il ne pourra pas rattraper l'automobiliste qui roule pied au plancher. Mais le vieux briscard connaît bien la région et coupe par une petite route que le fuyard pourrait emprunter pour lui échapper. Il s'est peut-être arrêté, hein. Il s'est foutu dans un chemin et il va attendre que le temps passe. Hein. Bon allez, on va pas focaliser dessus. Mais alors que les gendarmes pensaient avoir perdu la trace du véhicule en fuite, quelques secondes plus tard, ils tombent nez à nez avec la voiture recherchée. Stop, stop, stop. Ah ouais, bah oui, c'est lui. À son bord, un homme d'une quarantaine d'années. Bonsoir monsieur, vous mettez là s'il vous plaît. Mettez-vous là. Garez-vous monsieur, et vous coupez le contact. Garez-vous, vous coupez le contact. Non, pas au milieu de la route, sur le côté. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vous ai contrôlé à la vitesse, monsieur, sur l'autoroute. Allez, garez-vous là. Sur l'autoroute? Oui, bien sûr. À quelle heure? Là, il y a 5 minutes. Allez. Rigolez, je te passe l'autoroute. Vous coupez le contact, s'il vous plaît. Vous coupez le contact, s'il vous plaît. Vous me présentez votre permis de conduire. C'est une blague ou c'est... De quoi? S'il vous plaît, monsieur, vous me présentez votre permis, la carte. Alors, monsieur, je vous ai contrôlé à des vitesses sur la 63, d'accord? Mais je tente. Il y a 5 minutes. Mais monsieur, un peu plus de 5 minutes. Monsieur, vous arrivez d'où, monsieur? De Bordeaux. Eh bien, tout à fait. Mais j'ai relevé votre numéro d'immatriculation. J'étais en clientèle, ça fait une heure que je suis en clientèle. Vous les connaissez chez les gens? Je sors de clientèle, c'est une blague ou quoi? Vous êtes un menteur, monsieur. Mais je suis pas un menteur. Vous êtes un menteur. Eh bien, montrez-moi alors, qu'est-ce que vous racontez là? Mais oui. Il y en a combien des voitures? Mais ça va pas ou quoi? Attendez. Parfaitement. Ne bougez pas. Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? La gendarmerie d'autoroute de Mios. Okay, et vous commencez par baisser d'un ton. Voilà, mais... D'accord? Okay. L'homme ne semble guère impressionné par l'uniforme et se montre même agressif envers le gendarme.
Non, mais attendez, moi j'ai passé l'âge de me faire parler oui, comme oui. ça, monsieur. D'accord. Mais attendez, mais vous non, me parlez mais comment et je vous parle vous comment, êtes monsieur mon père pour me parler comme ça. Non, mais monsieur, alors, je suis correct avec vous. Redescendez d'un ton. Mais vous redescendez d'un ton. Monsieur, moi, je vous explique. Moi, pour m'arrêter, j'ai pas fait d'excès de vitesse. Alors, ce qu'on va faire, vous allez venir avec moi. On va aller en clientèle. Et on va aller voir à quelle heure vous m'avez attrapé sur la route. C'est pas comme ça, monsieur. Non, mais bien sûr que si, mais vous croyez quoi? Que je vais me laisser faire comme ça ou quoi? Rien du tout. C'est comme ça que ça marche. Malgré le flagrant délit constaté par les gendarmes, le conducteur prétend n'avoir jamais emprunté l'autoroute et encore moins avoir commis un excès de vitesse. Vous allez me prouver que vous m'avez arrêté maintenant sur l'autoroute. Oui, oui, bien sûr. Vous allez me le prouver. Oui. Prouvez-le-moi. Aucun doute, c'est bien la voiture de ce monsieur qui a été flashé quelques minutes plus tôt en excès de vitesse. Christophe détient la preuve dans sa jumelle. Je vais venir vous emmerder quand vous rentrez chez vous, vous dire que vous avez fait telle ou telle infraction alors que c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous me racontez, monsieur, là? Ouais, rendez-moi mon permis. Ah, mais c'est bon, ça va 30 secondes. Là. Mais franchement, oui, vous me faites monsieur, je vous dis avec mes propres mots. Mais je vous insulte pas, je dis si vous, vous me faites vous me faites à moi, je vous insulte pas. Oui, oui. Ok j'ai oui. Dit, vous me faites à moi. Mais c'est clair. Non, putain, mais c'est un fou. Face à l'impassibilité de Christophe, l'homme change de technique. Donc ça fout, putain. Il tente à présent d'intimider le gendarme. Par contre, vous avez l'obligation de me donner votre matricule et que vous allez me le donner, monsieur. Mais vous aurez mon nom sur le procès verbal. Je peux vous garantir de vous dire les yeux dans les yeux, vous savez pas qui vous avez affaire. Vraiment, je vous jure, vous savez pas qui vous avez affaire. Je suis mort de trouille. Mais mort de trouille, c'est pas le cas. Ouais, ouais. Par contre, votre évolution, elle est foutue. Hein. Je préfère vous le dire. Vous savez, je prends ma retraite. Alors. Ah, ouais. C'est bien mérité, alors. Sur un coup d'éclat. Malaise. Sur un coup d'éclat. Champ de maïs, pour lui dire qu'il a fait vous un vous arrêtez tout de suite parce que sinon je vous préviens, je vous relève un outrage, monsieur. Ne me touchez pas. Je ne vous touche pas. C'est filmé l'outrage. Hein. Oui, vous oui. Filmé. Attendez, tout est filmé, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Vous habitez où, monsieur? Ici, à Biganos. À Biganos. Ça, c'est pour moi, ça. Je te laisse, j'avais la gendarmerie, là. Ils m'ont arrêté sur l'autoroute. Je sais même pas pourquoi. Mais si, je vous l'ai dit, monsieur. Eh bien, à combien vous m'avez arrêté, alors? À combien vous m'avez arrêté? Je vous ai pas arrêté, je vous ai contrôlé. Mais c'est combien? Alors, à combien vous m'avez contrôlé là? 166 km par monsieur. Avec une Yaris? Oui, 166 avec une Yaris, monsieur. Mais j'avais quoi? J'avais une Ferrari au cul? Oui. Bah écoutez, moi, je refuse catégoriquement de signer quoi que ce mais soit. Vous dites, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Mais non, mais c'est des conneries. Hein. Écoutez, vous parlez votre temps, vous me faites perdre le mien. Arrêtez vos conneries, là. Ce qui me fait chier, c'est qu'ils me font perdre mon temps, parce que moi, j'ai un vrai métier. Il y en a d'autres, il y a des gens qui n'ont pas de vrai métier, des gens qui foutent rien de leur journée. Alors, je vous ai contrôlé la vitesse de 166 km/h sur l'autoroute, alors que la vitesse est limite à 130 km/h. La vitesse retenue pour le procès verbal, 157 km/h. D'accord. La contravention en elle-même, 135 euros, minera 90 euros, est susceptible d'entraîner la perte de 2 points sur votre permis de conduire. Est-ce que vous signez le procès verbal, monsieur? Pas du tout. D'accord. La carte grise? Le document. Ah oui, c'est moi, putain. Oui. Merci beaucoup. Et vous pouvez reprendre l'autoroute normalement. Ça marche. Bonne soirée. Que je prends pas l'autoroute et soyez pas vexé. Hein. Ah, je suis pas du tout vexé. Soyez pas vexé, hein. On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Je suis pas du tout vexé. Hein. Finalement, cet homme repart avec le sourire. Mais il a évité de justesse une procédure pour outrage. À quelques kilomètres de là, un conducteur vient de passer encore plus vite. Eric le rattrape quelques centaines de mètres plus loin. Et visiblement, le conducteur peine à sortir de sa voiture. Bonjour. Vous nous avez pas vu là? Ouais, si, je vous ai vu. J'arrivais un peu vite. Trop vite, monsieur. Titubant et articulant difficilement, l'homme sort visiblement d'un apéritif bien arrosé. Vous avez consommé de l'alcool là, monsieur? Ah non, pas du tout. Êtes-vous sûr? Ouais, certain. Pas une goutte d'alcool? Ah, je suis à la tête à mon fils, de rien du tout. D'accord, allez. Hey, vous mettez ça à la bouche et vous soufflez dedans, je vous dirai stop. Allez, encore, allez. Là, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez bu? Mais rien. Hey, regardez voir. J'ai bu à midi, ouais. Hey, c'est positif, alors me dites pas que vous avez rien pris. Je vous cache pas que j'ai bu à midi. Combien et quoi? J'ai bu un Ricard ou deux Ricard à midi. L'homme avoue seulement un ou deux apéritifs. Mais compte tenu de son attitude, le gendarme soupçonne une consommation beaucoup plus forte. Là, vous êtes positif. Faut qu'on aille souffler dans une autre machine pour que je sache quel taux vous avez. Et comment j'ai fait? J'ai le chien. Faut appeler quelqu'un qui vienne chercher la voiture et le chien. Eric, le motard, doit rester sur la route pour continuer les contrôles. C'est donc Stéphane qui va s'occuper de ce chauffard. Car il faut maintenant connaître avec précision son taux d'alcoolémie. Faut qu'on aille à la brigade le faire souffler et les déchenier, le gosse.
Bon, la vie, tu vas avoir un taux de la mort. Voilà, je fais comment pour mon chien, c'est personne. Et votre chien, vous débrouillez. Moi, je suis désolé, je fais pas chenille. Le véhicule est stationné ici. Son chien reste à l'intérieur pour le moment. Et donc, on va l'accompagner à la brigade de d'Andernos-les-Bains pour mesurer son taux d'alcoolémie et lui faire la procédure. En appelant sa compagne, l'homme en profite pour jouer la montre, le temps de faire baisser son taux, au risque d'exaspérer le motard. Là, on va à Andernos. Vous êtes, vous devenez pénible. Non, elle a pas compris parce que. Ouais, elle a du mal à comprendre. Gendarmerie d'Andernos. Andernos. Je vais pas vous le dire 15 fois. La gendarmerie de Lanton, c'est ça. Faites exprès. Non, j'ai pas compris. On va à la gendarmerie d'Andernos. Ah, d'accord. Vous avez compris là. Ouais. Quatrième fois. Il va y avoir un sacré tour, je pense. Voilà. 30 minutes plus tard, à la gendarmerie d'Andernos. C'est bon. Ah. Ça va, ça va. 0,88. 1,76. Et la limite, c'est 0,50. Avec 4 Ricards. Donc vous avez 3 fois et demi le taux autorisé. Avec 4 Ricards. Mais avec 4 Ricards. Après, moi, je ne connais pas la taille de vos Ricards. Hein. C'est pas comment vous les posez. Hein. Ah oui. Hein. Une demi-heure plus tôt, l'homme affirmait n'avoir bu que 2 verres. Désormais, il en reconnaît 4. Mais avec 1,76 g d'alcool dans le sang, c'est en réalité au moins 7 verres qu'il aurait consommé. Mais un autre élément intrigue Stéphane. L'homme dit s'appeler Michael. Selon le fichier, ce serait le prénom de son frère. Pour en avoir le cœur net, il décide d'appeler sa compagne. C'est quoi, c'est Choupinette, c'est ça? Ouais. Je le rappelle, ça vous dérange pas? Oui. Oui, c'est le gendarme. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous me communiquez l'identité de votre ami, s'il vous plaît? Oui, c'est Gabriel. Oh, ok. Gabriel? Michael. Comment? Michael. Ah. Ouais, on n'est pas d'accord, c'est ça. Vous savez où est la gendarmerie d'Andernos? Oui, oui, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, madame, merci. Au revoir. Au revoir. L'homme a donc bien tenté de se faire passer pour son frère. Une supercherie qui aggrave son cas. Vous voyez, quand je vous ai en face de moi depuis tout à l'heure, votre comportement ne correspond pas tout à fait aux arriérés du permis de conduire correspondant à votre frère, d'accord? Parce que vous avez vu votre frère, hein? Ça va, rien d'extraordinaire. Hein? Petite infraction par-ci, une petite infraction par-là, on a un échange. Vous, par contre, c'est plus la même. Quand je consulte le fichier, là, en fait, vous n'avez pas de permis. Ouais. Voilà. Et votre employeur, il ne le sait pas. Non. D'accord. Donc, vous avez un taux, quand même. On va prendre le plus bas. 1,76 g. D'accord. Je vous contrôle à 167 km/h au lieu de 110. Et vous roulez sans permis. Parce qu'il a été annulé. Il y a une annulation administrative, et vous le savez très bien. Monsieur, mes collègues, s'il vous plaît. Cet homme est placé en cellule de dégrisement pour le reste de la journée. Il risque une peine de prison ferme. Mais il est loin d'être le seul à rouler sans permis. Le lendemain, les gendarmes de la caserne de Mérignac vont encore le constater à l'occasion d'un banal contrôle de vitesse. Un conducteur signalé à plus de 100 km/h sur une route départementale refuse de s'arrêter. Mais Alexandre a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Il lance immédiatement un appel à toutes les forces de gendarmerie locales. Ouais, t'es venu au Bordeaux pour te signaler un refus d'obtempérer suite à un contrôle de vitesse. Il suffit de quelques secondes à ses collègues pour retrouver l'identité du propriétaire. Oui, je viens d'identifier le véhicule, hein. Propriétaire à Vissotaillant. Ok, on y va, on va aller le chercher. On va aller voir là-bas. Merci. Pour les gendarmes, le refus d'obtempérer est un délit de plus en plus fréquent. Le dernier que j'avais eu, le type n'avait pas de permis de conduire. D'autres fois, c'est parce qu'ils ont pris des stupéfiants, ils ont bu. C'est assez divers. Le propriétaire de la voiture qui a refusé de s'arrêter habite quelques kilomètres plus loin.
Les gendarmes veulent l'interpeller immédiatement. On va voir s'il est rentré à domicile ou pas. Voir s'il y a quelqu'un chez lui. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'adresse indiquée sur la carte grise. Mais il y a du monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien monsieur? Est-ce que vous êtes titulaire d'une Golf grise 5 de porte? Oui, grise. Oui. Ouais. D'accord, on pourrait la voir. Et les deux jeunes qui viennent d'arriver avec, s'il vous plaît. Oui, c'est mon fils. Voilà. Anto. Il va vous expliquer pourquoi on est là, je pense. Et je pense peut-être qu'il vous l'a déjà dit. Non, sérieux, je suis pas au courant. Mais il va simplement dire. Je découvre. Le voilà, le jeune. Et la Golf, elle est où? Je l'ai plus. Elle est où? Elle est vendue. À qui? Un mec, il nous faut le certificat de cession, sinon, pas bien. Mais je l'ai. Non, c'est sûr, il a vendu. Hein. Ah ben, ouais. Vrai, alors, s'il vous plaît. Mais tu l'as là? Ouais, c'est bien. Tu l'as ici ou chez toi? Mais je crois qu'on m'a la garder. Eh ben, demande de lui. Ah non, il a vendu. Hein. Il y a combien de temps? Il y a 15 jours. 15 jours. Semaine. Il roule en 106. Alexandre a un doute. Il a clairement aperçu le conducteur qui a forcé le contrôle. Il s'agit d'un jeune homme barbu, portant une casquette blanche, qui ressemble étrangement à celui qui est en face de lui. Mais pourtant, le gendarme n'est pas sûr. Je vais vous donner ce papier, allez-y rentrer. Si la voiture a été vendue, les gendarmes veulent connaître l'identité du nouveau propriétaire. La mère du jeune homme leur apporte le certificat de cession. Cela fait 15 jours que la famille s'est séparée de la Golf au profit d'une certaine Priscilla. Donc c'est une dame qui est venue te chercher ou c'est un monsieur? Non, c'est le monsieur, mais il m'a dit je mets les papiers au nom de ma femme. Et le monsieur, il ressemble à quoi? Oui. Il fait un peu moins de la trentaine. Ouais. C'est celui-là. Comment dire, court, brun, cheveux court, brun. Voilà. Ma taille à peu près, dans ces jours-là. Ça se transforme en enquête, la major? Évidemment. Ça devient passionnant. Qui était donc au volant de la voiture qui a refusé de s'arrêter? Difficile de le savoir car les nouveaux propriétaires n'ont pas encore fait mettre la carte grise à leur nom et n'apparaissent donc sur aucun registre de la préfecture. Donc en fait cette voiture elle est à qui? Elle était à moi et je l'ai cédée à un monsieur sur internet. D'accord, ok. Et puis voilà quoi, après je sais pas, vous êtes venu à ma porte quoi, voilà. Puis je sais pas plus. Et non, et sur le coup ça fait bizarre quand on va arrêter. Mais nous on vient là. Mais oui. Ouais. Et oui. Oui, j'imagine, parce qu'il a pas changé la carte. Voilà, il a pas dû changer. C'est pour ça. Vous êtes surpris de voir les gendarmes, quoi. Surpris. Bon, après, j'ai des amis gendarmes aussi. Après, voilà. Donc là, mais autant à la fois, du coup, il y a un souci, là. Voilà. Mais il y a peut-être un moyen de retrouver les acheteurs. Grâce au SMS, échanger avec eux. Ah, j'ai le numéro, c'est bon. Yes, je vous écoute. 06. Cette fois, les gendarmes tiennent une piste. Et on a nom et prénom du conducteur éventuel, du moins de l'acheteur du véhicule, son numéro de téléphone et une localisation sur par empire. Ça devrait le faire, merci à vous. Merci. Vous êtes sur Bagne, pardon. Surprenant quand on est voit. Sans attendre, le major compose le numéro de téléphone des nouveaux propriétaires. Monsieur. Oui, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. On souhaiterait voir le véhicule, la Golf grise, demain matin au bureau à Mérignac. Si on ne la voit pas demain matin au bureau à Mérignac, on ira la chercher. Par rapport à quoi? Par rapport à, je vous expliquerai demain matin. Donc vous savez pourquoi je vous appelle. Donc la Golf grise, on est bien d'accord, la Golf grise demain matin à la brigade motorisée à Mérignac, entre 8h et 9h, je vous laisse un petit délai. Si à 9h je n'ai pas de nouvelles de cette Golf, croyez bien qu'on va venir la chercher et ce ne sera pas du tout la même musique. Est-ce que j'ai été bien clair? Oui, il n'y a pas de souci. Merci madame, bonne soirée, à demain, au revoir. Alors là? Je pense avoir été dissuasif, je pense avoir eu la propriétaire réelle du véhicule qui m'a dit oui, pas de problème, on saura demain matin avant 9h à la brigade. La propriétaire du véhicule ou son mari se présenteront-ils à la gendarmerie le lendemain? Quelles excuses fourniront-ils pour justifier le refus d'obtempérer? Le lendemain matin, Pierre a la tête des bonjours. Sur le fichier des permis de conduire, il a retrouvé l'homme qui aurait forcé le barrage.
Et il a compris aussi pourquoi cet homme a refusé de s'arrêter. Il a plus le permis parce qu'il a conduit un véhicule en 2017, en juillet 2017, alors qu'il avait plus de points sur son permis et il avait été invalidé. Et, ce qui expliquerait le fait qu'il ait forcé le barrage ? Il ait forcé le contrôle, ouais. Là, il est 9h, on va voir s'il vient. Ouais. Autrement, on verra ce qu'on pourra faire. À l'heure dite, l'homme se présente à la gendarmerie. Il ne pensait pas que les gendarmes le retrouveraient aussi vite. Et il est un peu nerveux. Ah, d'accord. Je me demandais ce que c'était que ce bruit. C'est moi avec ma jambe. Détendez-vous. On est entre gens de bonne compagnie. Ah, d'accord. D'accord. Tranquille. Si vous le dites, alors. M'allumez pas trop. Bah, je fais peu ce qu'il y a. Mais... Sinon, moi, je conteste tout. Ils ont pas de preuve que c'était moi au volant. Après, c'est la parole contre l'ailleurs. Le conducteur commence par tenter le bluff. Pierre le laisse poursuivre, sans entrer dans son jeu. Si c'est pas des plaques d'immatriculation, vous avez rien aujourd'hui. Sur moi. Le problème pour ce jeune homme, c'est qu'il conduisait alors que son permis lui a été enlevé depuis plusieurs mois. Pierre va devoir lui expliquer que pour attirer la clémence du procureur, il a tout intérêt à assumer ses actes. Rouler sans permis, c'est pas toujours un cadeau. Si vous connaissez les infractions que vous sont reprochées, à savoir la vitesse... La vitesse ? Ouais. Et c'est que le moindre des soucis. Il aurait, ça, si vous étiez arrêté déjà, ça aurait été bien plus simple. Ouais, bien sûr. Là, il y a un petit truc en plus. Vous avez refusé le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu le gendarme ? J'ai hésité parce que je voulais m'arrêter au début. Et j'ai dit, mais j'ai pas de permis. Ça va être encore des problèmes, je suis parti. J'ai esquivé le gendarme et... Peur de quoi ? Je sais pas, d'aller encore dans les locaux des gendarmes, de peut-être aller en prison, je sais pas. Ça vous est déjà arrivé ? D'aller en prison ? Jamais, monsieur. Je touche du bois et je veux pas y aller. C'était le fait de pas avoir de permis ? Ouais, voilà, je sais que j'ai pas de permis, donc je sais que c'est encore des ennuis. Donc j'ai dit je préfère pas m'arrêter. Le conducteur reconnaît maintenant avec sincérité la faute qu'il a commise. Ton collègue, mais je l'ai enrhumé. C'est-à-dire ? Il a rien calculé. Le pauvre, okay. Lui qui a voulu m'arrêter. À présent qu'il reconnaît sa faute, le conducteur tente de négocier. Au moins, faites sauter au moins l'excès de vitesse et mettez-moi le défaut de permis et le... Ça, c'est l'objet du contrôle, alors, Régis. Ben, mettez-le à 100, alors, je dis oui. Tu peux pas vous dire ça. Avec les gendarmes, aucune négociation possible. Pierre poursuit tranquillement son audition. Votre histoire de permis de conduire, là. Oui. Quand est-ce que, et comment vous l'avez perdu ? Je sais même pas. Vous aviez plus de points ou... Mais je pense. Aujourd'hui, pour un oui ou un non, on nous enlève le permis. C'est normal que les jeunes aient roulé sans permis. Et il y en aura de plus en plus, vous le verrez. Le conducteur a reconnu sa faute. L'audition est terminée pour les gendarmes. L'enquête touche à sa fin. Bon, c'est une enquête résolue, Major ? Tout à fait. On attend maintenant les instructions du parquet, en espérant qu'elles soient à la hauteur de l'infraction commise. Qu'est-ce qui va se passer ? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Hein. C'est l'adjudant qui va contacter le parquet. Et donc on aura les instructions verbales rapidement, j'espère. Contacté quelques minutes plus tard par téléphone, le procureur s'est montré plutôt clément. C'est les infractions simples qui sont retenues par le procureur, donc le refus d'obtempérer, simple. Non, c'est pas un délit. L'excès de vitesse et le fait que vous conduisiez sans permis, sans récidive. D'accord. Sans récidive ? Il l'a pas pris en récidive ? Ah, c'est bon, ça. Mais par contre, je vous conseille de ne pas recommencer. Quoi. Moi, j'espère que vous reconduirez pas. Après, c'est un jeu, monsieur. On joue au loup et à la souris, au chat et à la souris. Et quand la souris, ben, elle tombe, le chat, il a gagné. Vous allez recommencer ? À conduire ? Oui. Je suis obligé, monsieur, de conduire. C'est pas leur faute, ils sont là pour faire leur métier. Eux, ils sont là pour mettre les procès, ils sont là pour faire la... D'accord, mais c'est pas eux qui vont m'emmener à manger à ma famille. Je suis obligé d'aller travailler. Donc je suis obligé de conduire pour aller travailler. J'espère ne pas vous revoir, dans ces conditions, au moins. Non, on verra bien. Par contre, moi, je vous informe et je vous ai dit fermement que vous n'aviez pas le droit de conduire. Non, quand on n'a pas le droit, on a dit... Tant que vous n'avez pas repassé votre permis de conduire, je pense que le tribunal vous le redira de nouveau. Et alors... En attendant de repasser son permis de conduire et d'être jugé, le conducteur doit donc abandonner le volant. Son épouse l'a accompagné. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, merci. Surveillez-le un peu. Oui.
Lorsqu'un conducteur expose un gendarme à un risque de mort ou de blessure, le refus d'obtempérer est passible de 5 ans d'emprisonnement, d'une amende de 7500 euros et d'un retrait de permis de conduire. Comme cet homme, en France, on estime à 1 million le nombre de conducteurs qui roulent sans permis. À Mios, Gaëtan, 35 ans, ne passe pas inaperçu. Lunettes profilées. Accroche-toi, ça va tourner un peu sec. Conduite sportive, ce militaire originaire de Corrèze a été affecté sur le bassin d'Arcachon il y a 7 ans. Son obsession, éviter à tout prix les drames de la route, surtout chez les jeunes. Ah ouais. Vous étiez au téléphone, et parce qu'il y a malgré tout un peu de bière, c'est pas normal. Au cours de sa patrouille, il vient justement de surprendre des lycéens en pleine démonstration de wheeling. Une acrobatie à la mode chez les jeunes conducteurs de moto ou de scooter, qui consiste à effectuer une roue arrière. Mais sur cette route départementale très fréquentée, cette acrobatie peut tout simplement s'avérer mortelle. Et Gaëtan a bien l'intention de leur faire prendre conscience des risques qu'ils prennent. Pour qui vous vous prenez ? Merci, monsieur. Si, pour qui vous prenez ? Qu'est-ce que vous faites sur l'axe, là ? Ils comptent bien leur faire passer l'envie de recommencer. Qu'est-ce que vous faites sur l'axe avec votre cyclo, là ? Attendez, mon pote. Vous étiez à ma portée, là. Vous étiez à ma hauteur. Vous faites un wheeling avec un passager. Vous prenez pour qui ? Vous prenez pour qui ? Merci, monsieur. Alors, on va stationner et je vais passer votre véhicule au fichier. Vous n'avez pas de gants sur vous. C'est inadmissible. Je veux faire le malin sur la route, je mets des éléments de sécurité. Je suis en pantalon, là. Je me protège que dalle. Et lui, il prend des risques à cause de vous. C'est inadmissible. Alors, on va aller sur un endroit et je vais procéder à un contrôle. Gaëtan prend un ton volontairement autoritaire. Il cherche à tout prix à dissuader ces jeunes de parader de nouveau en roue arrière sur la route. Bon, alors on va recommencer à zéro. Bonjour à la gendarmerie, sécurité routière. Veuillez me présenter les documents du scooter, s'il vous plaît. DCR. Ça, c'est l'immatriculation et après, il y a l'assurance. Ça va à la poubelle, c'est pas bon. Pourquoi ? Ben, je sais pas, vous me présentez un document qui n'est pas en cours de validité, j'en ai pas besoin. Je savais pas que c'était dépassé, c'est pour ça. Ben, il faut le lire. Oui, mais enfin, il faut pas savoir faire que le malin au guidon. Oui, il va falloir prendre ses responsabilités du début jusqu'à la fin. Ouais. D'accord ? Ouais. Alors c'est très bien, vous savez faire un wheeling. Mais que vous sachiez le faire, peu m'importe. Par contre, que vous le fassiez sur un axe de circulation, notamment une route départementale, ça me plaît pas. Il y a du monde tout autour. Et si ça vous fait rire, jeune homme, on fait 10 pas en arrière et on se recule un peu. Mais si vous voulez, je vais venir vous voir après. Okay. Les gants, c'est obligatoire. Ils sont dans le coffre, les gants. Et ben pourquoi ils sont dans le coffre ? Parce qu'ils puent. Ah, parce qu'il pue, mais j'en ai rien à faire, vous mettez des gants qui puent. L'essentiel est que vous mettiez des gants homologués, réglementaires. Les gants qui puent sont sous la selle. Le jeune homme accepte de les mettre et Gaëtan change de ton. Le gendarme a décelé chez ce jeune homme le potentiel d'un futur collègue. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, comme métier, vous ? Moi, je suis parti pour être ingénieur. C'est dommage parce que nous, on fait des tests de motocyclistes. Vous voulez pas venir travailler chez nous ? Vraiment ? Ben non, je rigole pas, ça peut susciter une envie, vous débrouillez pas trop mal en deux roues là. Apparemment, plus sur une roue que sur deux roues. Hein ? Okay. Alors vous faites gendarme, et puis au bout d'un ou deux ans, vous faites des tests. Mais je rigole pas, vous faites des tests. Pourquoi pas ? J'ai pas dit que vous étiez un petit con. Non. J'ai dit que votre comportement était stupide. Oui. D'accord ? Donc là, on redescend, on rigole, on revient, vous êtes sanctionné, vous vous êtes fait réprimander verbalement, maintenant, ça redescend. Et le côté sympathique, c'est de dire, nous, on aime la deux roues, on est parti en formation, on aime ça. Et si vous aimez ça, vous pouvez aussi vivre une passion sur une vie professionnelle, ok ? Alors, respectez les autres et soyez prudents. Allez, bonne journée. L'an dernier, 40% des adolescents tués sur la route conduisaient un deux roues. Alors Gaëtan a peut-être rendu un grand service à ces jeunes. Donc oui, de temps en temps, ça ne me dérange pas de d'hausser le ton. Et pour autant, on finit toujours avec le sourire et on montre que si on s'adresse comme ça, c'est pour leur sécurité. Police secours. À Bordeaux et dans la région, la météo et l'océan attirent chaque année 27 millions de touristes. Plages, sports nautiques,
Balade en forêt, découverte de l'arrière-pays et de ses vignobles. Les distractions sont nombreuses. Mais les déplacements des automobilistes ne laissent guère de répit aux gendarmes. Le lieutenant fonce sur une intervention qui pourrait provoquer une catastrophe en série. Une voiture vient de prendre feu sur l'autoroute. Les patrouilleurs et les pompiers sont déjà sur place. Bonjour, comment on va ? Ça va ? Ça va ? Le dépanneur a été prévenu ? Le propriétaire de la voiture a eu à peine le temps de sauter sur le bas-côté. Et le monsieur, il s'est arrêté. Ouais, il a commencé à décélérer, j'avais le limitateur de vitesse. Il a commencé à décélérer. Je me suis mis sur le bas-côté. On a juste le temps d'arriver là. Je suis descendu, il y avait de la fumée. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Ouais, c'est sûrement. Hein. Je vais parce que j'ai eu des projections d'huile derrière. Qui d'accord. Ouais. Parmi les jambes. J'ai ouvert le capot, j'ai vu de la fumée, j'ai vu qu'il y avait des flammes. Le temps de sortir, de balancer mes affaires par-dessus le parapet. Et là, c'est parti. Extérieur, intérieur. La voiture est complètement carbonisée. Dans ce genre d'accident, le risque, c'est une propagation du feu à la forêt voisine. Alors les pompiers arrosent aussi les arbres. Les photos du lieutenant seront utiles aux compagnies d'assurance. C'était quoi comme bagnole à l'origine ? Oh, une Kia. Une Kia ? Ah ouais. Le propriétaire de la voiture partait se reposer sur l'océan. Ouais, je suis parti en week-end golf paddle. Vous avez fait des pensées à l'intérieur ? Bon, ça va, le reste du matériel. Un week-end qui commence plutôt mal, mais dans son malheur, cet homme s'en sort bien. Absolument rien. S'il y a eu des projections d'huile sur les jambes, pas grand chose. Ouais, je m'en tire bien. Ouais. Pas de victime et pas de suraccident. Pour le lieutenant, la mission est terminée. Tout va bien. À part pour cette malheureuse personne qui a perdu son véhicule. Après, c'est une question d'assurance. Purement matériel, pas de blessés, pas d'action particulière ni volontaire. C'est clair pour nous. La carcasse sera évacuée par les dépanneurs dans quelques minutes. Un type d'accident beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Chaque année, plusieurs dizaines de voitures finissent en cendres sur l'autoroute. Le lendemain matin, c'est Michael qui est appelé sur une nouvelle intervention urgente. Accident en véhicule est retourné sur le toit. Dès son arrivée, le gendarme prend les premières informations. Pas blessé. Une bonne nouvelle et même un miracle quand on voit l'état des véhicules. Des pissages ont été faits ? Non, rien du tout, moi je suis arrivé. D'accord. Allez, on prend le relais alors. Voilà. Les pompiers arrivent. C'est ce jeune homme qui serait responsable de l'accident. J'ai eu un flash sur le moment et puis je me suis retrouvé en train de tourner. Et aucune idée. J'ai le truc qui m'a explosé en tête là, le. S'il vous plaît. Le bac. Et vous étiez où par rapport à ce véhicule-là ? Derrière. Ils m'ont dit que en fait c'est moi qui allais plus vite, ils étaient en train de freiner et que du coup j'ai tapé le côté. Et il a percuté la voiture devant lui. Son conducteur a eu à peine le temps de réaliser. Je l'ai vu arriver, j'ai senti le choc et après on ferme les yeux, on attend que ça a tourné et on attend que ça s'immobilise. Et... Est-ce que le véhicule derrière, vous l'avez vu partir dans tous les sens ? Moi je l'ai pas vu, non. Je l'ai vu arriver, ça a tapé et après j'ai fermé les yeux et il m'a poussé. Quoi, j'ai pas vu. Pour ce monsieur en vacances dans la région avec sa compagne, c'est la fin du voyage. On se promène un peu dans. On a fait Montpellier, on a fait Lozère, on a fait Bordeaux. Là, on s'arrêtait 2 jours ici, on partait sur Biarritz. On n'ira peut-être pas à Biarritz. Sa compagne, qui avait mal au cou à la suite du choc, a été examinée par les pompiers. Est-ce que les pompiers ont été rassurants ? Pas de soucis. Très rassurant, ouais. Bien pris en charge. Pendant ce temps, les gendarmes vérifient si l'alcool peut être à l'origine de l'accident. Négatif ?
Et en fait, il déménage. Il déménage ? Il ramenait ses affaires chez sa copine. Voilà. Les gendarmes et l'automobiliste qui s'est fait emboutir s'intéressent à l'assurance du jeune homme. Sur la vignette, la date est dépassée. On est là quand même, mais... Le jeune homme est-il assuré ? Contrat d'assurance ? Michael cherche une attestation, mais il a un doute. Pour l'instant, il n'est pas assuré. Pour ce gendarme, en poste à Mios depuis plus de 5 ans, cet accident est un grand classique de l'été. Et tous les ans, suite au ralentissement pour accéder à Arcachon, ça bouchonne en permanence et tous les ans, on fait ce genre d'accident dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire ça freine devant et derrière, ça ne suit pas. Pas de blessés, c'est le principal. Hein. Mais Michael n'a pas encore terminé sa mission. Il se rend à l'hôpital où a été emmené le jeune homme pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Vous n'êtes pas assuré. Vous le saviez ? La voiture, elle n'est pas assurée. Non. J'ai eu votre mère au téléphone. Il y a un problème avec le contrat d'assurance. Vous n'êtes pas couvert. Depuis quand ? Ah, vous verrez avec elle. Depuis mars, apparemment. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, du coup, c'est une conduite sans assurance. D'accord. Et du coup, je vais avoir le retrait du permis ? Non. Il n'y a pas de retrait de permis pour ça. Ça va être quoi, une amende ? Ouais. Mais ça, c'est pas le plus grave. Hein. Ouais. Ben, tous les frais, le dépannage, tout ça, ça va être tout pour vous. Hein. Et heureusement qu'il n'y a pas de blessé en face. Hein. Parce que là, vous pouvez travailler pour un bon moment. Hein. Ouais. Je pense que c'est OK. Et vous pensez que c'est qu'il vaudra combien les frais ? Alors là, aucune idée. Vous avez juste un ordre d'idée, juste comme ça. Je peux pas vous dire, hein. Il y a deux bagnoles de pillés. Dans votre malheur, la partie adverse ne souhaite pas déposer plainte. Et il pourrait. Hein. Le jeune homme commence à réaliser qu'il va devoir travailler plusieurs années pour rembourser les dépannages, mais aussi les dégâts sur sa voiture et sur celle des touristes. Au total, selon nos estimations, plus de 20 000 euros. Heureusement pour lui, personne n'a été blessé dans l'accident. Sur cette autoroute qui relie la France à l'Espagne, plus de 3 millions de camions circulent chaque année et ils ne respectent pas toujours les règles de sécurité. Alors pour leur rappeler ces règles, les gendarmes multiplient les contrôles. Ce matin, une opération de grande envergure est lancée. Le peloton moto est sur le pied de guerre. Une vingtaine d'hommes a été mobilisée. L'équipe moto à droite, les verbalisateurs à gauche. Le capitaine Maxime Delaporte est aux commandes. Ok, l'hélico arrivera d'ici quelques minutes sur zone. Okay, vous êtes habitué à cette opération. En plus des motards, un hélicoptère a été réquisitionné spécialement pour l'occasion. L'objectif, c'est vraiment d'impacter clairement le trafic des poids lourds, puisqu'on a constaté quand même un paquet d'accidents. Ok, à vos postes de contrôle. Quand un camion est impliqué dans un accident, les risques de mortalité pour les automobilistes sont multipliés par 3. Un chiffre que les gendarmes veulent absolument faire baisser. On a beaucoup d'accidents qui sont dus au fait que les poids lourds ne respectent pas les distances de sécurité, se massent et en fait, dès qu'il y en a un qui ralentit, ça enchaîne un effet accordéon et souvent, c'est le dernier de la file qui va emboutir les poids lourds qui sont devant lui. Et on va également rechercher les dépassements par les poids lourds puisque c'est une zone qui est interdite. Ils doivent être sur une seule file uniquement, sachant qu'ils vont tous à la même vitesse. Normalement, il n'y a aucune raison pour eux de dépasser. L'autoroute que les gendarmes vont passer au crible, c'est celle-ci, la 63. Elle relie l'agglomération bordelaise à la frontière espagnole. Dans son hélicoptère muni d'une caméra spéciale, le capitaine repère très vite
un camion-citerne qui ne respecte pas les distances de sécurité. Pire encore, malgré l'interdiction, le conducteur dépasse un premier poids lourd. Puis bientôt un second. C'est le moment pour les gendarmes d'intervenir. Le chauffeur, un Espagnol, est escorté jusqu'à l'aire de repos. Le dépassement, interdit. Sobrepassar. Vous avez dépassé deux camions aujourd'hui. 180 euros. Ce premier chauffeur paiera son amende sans râler. Mais ses collègues ne sont pas tous aussi conciliants. Pourtant, le non-respect des distances de sécurité par un poids lourd peut être mortel. En l'espace de 2 heures, les hommes de la brigade motorisée de Mios arrêteront plus de 20 chauffeurs de poids lourds en infraction et presque autant de conducteurs en colère. Vous devez me montrer la photo. Tout ça, c'est pour nous prendre notre argent. Ils veulent nous voler. C'est du vol. Parce que j'ai respecté la distance de sécurité. Montrez-moi la photo. Ce conducteur ne veut pas reconnaître son infraction. Montrez-moi la photo. Montrez-la-moi. Non, Frédéric, il n'y a pas de photo. C'est pas du vol. Vous aimez, c'est pas grave. Je n'ai même pas de quoi manger. Vous voulez me voler. Vous aimez, c'est pas grave. Non, je ne vais pas payer. Le camion reste là. Ok, on ira devant le tribunal. Je veux voir la photo. La photo. Tac, la photo. C'est moi. Non, il est énervé. Ouais, non, mais il veut la photo. Comme il ne veut pas payer. En France, la photo n'est pas obligatoire. Pour reprendre la route, les conducteurs doivent obligatoirement payer leur amende. Sinon, leur camion est immobilisé. Vous pouvez repartir. Merci. Passez une bonne journée, monsieur. Oui, merci. Au revoir. En haut, en bas, sur les côtés, partout, dans les voitures cachées, dans les trucs. Maintenant, on se fait piéger de partout. Et après, on s'étonne qu'en France, les gens roulent sans permis. On n'est pas des vaches à lait. On travaille, on essaie de s'en sortir. On part toute la semaine, on essaie de faire comme on peut. Et ils trouvent tout le temps les moyens de nous harceler moralement et liquidement aussi. Parce que c'est de l'abus. C'est de l'abus de pouvoir. Un abus de pouvoir, selon ce chauffeur, mais qui permettra peut-être d'épargner des vies. Un peu plus loin, dans les faubourgs de Bordeaux, Christophe repère une camionnette dangereuse, probablement en surcharge. Elle risque de partir dans le décor si ses pneus éclatent et la ferraille qui déborde peut tomber à tout moment sur la chaussée. Pas question de la laisser poursuivre son chemin. Le ferrailleur est immédiatement interpellé. Bah, vous avez, il y en a trop là. Vous avez un 3,5 tonnes. Non. Il n'y a pas 3 tonnes. Il y a à peine 2 tonnes. Non. Alors on verra sur place, on va voir sur place. Voilà. Bon, on va voir ça. Donc ça fait une tonne de trop déjà. Mais on va voir. Vous allez suivre le fourgon. Ça frotte partout et il y en a beaucoup trop quoi. Vas-y. Le camion est tellement chargé que le garde-boue frotte sur le pneu. Ouais. Là il a chargé, il y en a beaucoup trop. Allez, on monte dans la voiture, on va le peser. Les deux transporteurs allaient justement décharger leur matériel. On va l'amener sur une bascule agréée et qui a été vérifiée. Donc comme il va chez un ferrailleur, ça tombe bien. Je pense que celui-là, c'est le cas. Il doit avoir 800 kg de charge utile, donc on ne peut pas mettre plus de 800 kg sur le véhicule. Sans compter le passager et son conducteur. Il peut avoir un véhicule qui lui coupe la priorité, il ne pourra pas s'arrêter à temps. Et les freins ne sont pas du tout adaptés pour arrêter cette masse-là. Arrivés à la casse, les ferrailleurs vont se garer directement sur la balance. Et le compteur est impitoyable. Il affiche 4880 kg. Alors qu'il ne devrait pas dépasser 3500 kg. Et une tonne 3 de trop.
1,3 tonne qui va leur coûter cher. 4 tonnes, 4,5 tonnes, ça va générer normalement 3 infractions à 90 euros. Vous avez une carte grise qui n'est pas mutée. C'est 90 euros. Et la carte grise, on la conserve. Et pour la contravention, comment ça se calcule? Donc par tranche de 500 kilos, 90 euros par tranche de par dépassement de 500 kilos. Bah on va être de nos frais. Ben si on vend, si on vend 300 euros de ferraille, ça payera pas les procès, hein? 160 euros la tonne. Ben voilà, il y a 2 tonnes, ça fait 320 euros. Voilà. Faut rajouter 100 euros. Ça couvre pas nos frais, quoi. Alors vous évitez. Au contraire, on est à payer en supplément. En Au total. Les deux ferrailleurs vont gagner 320 euros en vendant leurs pousserelles d'acier. Mais ils vont devoir dépenser 360 euros d'amende. Perte sèche, 40 euros. En France, les voies les plus dangereuses ne sont pas les autoroutes, mais les nationales et les départementales. Le réseau dit secondaire compte le plus grand nombre d'accidents mortels. Des accidents souvent dus à la vitesse. Alors, l'adjudant Eric et ses hommes du peloton de Mérignac placent très souvent sur ces routes nationales. Et comme à chaque fois, ils ne tardent pas à flasher des contrevenants. Une sportive bleue. D'accord. À commencer par ce motard en très grand excès de vitesse. Alors, bonjour monsieur, voilà, il me faudrait votre permis, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. Mais l'adjudant repère immédiatement quelque chose qui l'inquiète. Vous avez vu que vous êtes complètement à plat derrière? Non. Votre pneu est totalement à plat. Oui, je vois ça. Et on vient de vous contrôler à 178 km/h au lieu de 110. Ouais, alors là, c'est vraiment, outre le fait que l'excès de vitesse est vraiment plus que déraisonnable, avec une roue qui est quasiment à plat, c'est vraiment suicidaire. Hein. Plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, la sanction est immédiate. Là, ce qui va se passer, donc il n'y a plus de permis, hein, vous le comprenez bien. Ça, c'est la conséquence immédiate. Hein. Je veux dire, à ces vitesses-là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Quand vous êtes, vous jouez comme ça, vous pouvez être sûr que s'il y a un contrôle, c'est mort. En plus de la vitesse, l'adjudant vérifie que ce motard n'est pas en état d'ivresse. Voilà, je vais vous demander de souffler dans l'appareil. Vous soufflez normalement, je vous dirai d'arrêter. C'est bon. Voilà, vous êtes à zéro, c'est parfait. C'est bon pour ça. Donc au niveau de la procédure, là, il y a une rétention immédiate de votre permis de conduire et la machine, si personne ne peut venir la récupérer, va être immobilisée. Ce que je vous demande, c'est quand même un petit peu de tolérance sur le fait que voilà, c'est une première fois et que je ne suis pas un récidiviste et que je ne suis pas un délinquant. Je vais vous dire, sur ces grosses infractions, il n'y a aucune tolérance. Je vais vous dire, sur tout ce qui est sur les conduites addictives et sur les gros excès de vitesse, on n'est pas tolérant. Le motard commence à réaliser que ce retrait de permis risque de le handicaper dans sa vie quotidienne. Je suis plutôt en train de penser à tout ce que je vais perdre qu'autre chose. La gestion de vie privée, fait qu'il faut quand même que j'aille récupérer mon enfant chez la nounou. Vous regrettez? Oui, bien sûr. Ce genre de choses, ben voilà, effectivement, peut-être que je me suis autorisé aujourd'hui, j'aurais pas dû, mais c'était sur une ligne droite qui met en danger personne. En attendant, c'est à pied que ce jeune homme rentrera chez lui. Sa moto sera emmenée à la fourrière par une dépanneuse. En empêchant de continuer sa route avec un pneu à plat, les gendarmes lui ont peut-être sauvé la vie. Et quelques minutes plus tard... Il est loin ou pas de nous, là? C'est une voiture qui s'est fait flasher à grande vitesse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous demande de me présenter vos papiers, s'il vous plaît. Je vois la carte grise d'assurance et votre permis de conduire. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 133 km/h, limité par 80 et 133, vous n'avez pas fait attention. À quel endroit? À 3 km avant là-bas, là.
Non, non, je comprends bien que vous ne contestez pas. Devant moi, j'ai pas fait attention. Mais entre ne pas contester et puis dire oh, bah, j'ai pas fait attention, la vitesse, quand même, il y a 40 km/h. Là, c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous avez plus de permis, là, vous le savez ou pas? Bah non. Vous êtes 40 km/h au-dessus, donc votre permis, je vais le garder pendant 72 heures, rendre compte à l'office du ministère public, et là, vous allez faire l'objet d'une suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois. Bon, oh, super. Le conducteur prévient immédiatement ses enfants, car ils vont devoir venir le chercher. Je me suis fait attraper par les gendarmes à 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, donc je ne peux plus repartir en voiture, je suis venu chercher. Donc là, ça y est, je suis piéton. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur, ou pas? Un petit peu. Un petit peu, ouais. On peut avoir les tilos, s'il te plaît, Eric? Encore, c'est bon. C'est positif. Qu'est-ce que vous avez la mesure comme alcool? De l'apéritif et puis du vin. D'accord. Voilà, donc... Circonstance aggravante, ce monsieur a pris le volant en état d'ébriété. C'est une deuxième infraction qui risque de lui coûter cher. Les gendarmes vont mesurer son taux avec précision dans l'éthylomètre. Et vous ferez un souffle continu, franc, plus vous soufflez vite, plus ça ira vite. Voilà, c'est bon. Entre 0,25 et 0,39, vous êtes dans une contravention, moins 6 points. Ouais. Au-dessus de 0,40, à partir de 0,40, c'est un délit. D'accord. Et là, vous êtes, c'est une convocation au tribunal. L'homme n'emmène pas large, car il craint d'avoir franchi la limite. Vous êtes à 0,37. Donc, vous êtes à 0,02 du délit. À son grand soulagement, il échappe de peu au tribunal. Ça va faire que je vais vous relever deux infractions. Cet homme était d'autant plus inquiet qu'il a déjà perdu pas mal de points sur son permis. En plus des points, cet homme va devoir payer une amende de 250 € pour la vitesse et de 135 € pour l'alcoolémie. Au total, 385 €. Le fils du conducteur fautif est venu récupérer son père. C'est votre fils qui va conduire la voiture là ? Je pense, oui. C'est toi qui vas conduire la voiture ? Oui. Ouais. Vous l'avez fait souffler On va le faire souffler. Les gendarmes vérifient qu'il est en état de prendre le volant. Je lui rends son permis. Le test est négatif. Le fils est donc plus sobre que le père. Donc s'agissant des contraventions, je vous les relève par procès-verbal électronique. Donc vous allez tout recevoir par courrier. D'accord ? Super. Donc, faites bien attention. Au courrier que vous allez recevoir, et tout vous sera indiqué derrière les modalités, les délais de paiement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est la même chose que suivant. Que c'est... Exactement, c'est, même, ouais. C'est exactement les mêmes. Le monsieur va rentrer chez lui, à la place du passager. C'est bon ? Ouais, c'est bon, vous pouvez repartir, ouais. Non, c'est bon, on a tout vérifié. Bon, bonne fin de journée quand même. Au revoir. Le monsieur, il est quand même à 0,37 en alcoolémie, donc c'est quand même un taux qui est relativement haut. Et il roule à une vitesse de 133 km/h encore. Donc là, c'est potentiellement, on va pas dire une bombe vivante, mais faut pas oublier qu'il est au volant d'un véhicule qui fait une tonne 7. En rentrant dans la commune, il renverse des gens ou il tape dans un véhicule. Enfin. Si les gendarmes sont intransigeants, c'est que l'alcool reste à l'origine de nombreux accidents. Un peu plus loin, Florent repère une voiture au comportement dangereux. Le gendarme se précipite car ce véhicule peut provoquer un accident. Il faut l'arrêter à tout prix. Avec Christelle, sa coéquipière, il rattrape très vite le chauffard. Feu de détresse allumé, il roule en zigzag au milieu de la chaussée. Malgré la sirène, le conducteur refuse de s'arrêter. Bonjour monsieur, vous nous suivez, on va procéder à votre contrôle s'il vous plaît. Mais on vous fait signe. On vous fait signe de vous arrêter, monsieur, de nous suivre sur le côté. Vous ne le faites pas. Donc on va procéder à un contrôle en sécurité. Vous nous suivez, vous arrêtez, s'il vous plaît. La manœuvre est facile, mais le chauffeur ne semble pas en possession de tous ses moyens. Un contrôle d'alcoolémie s'impose. Avancez, monsieur. Allez, on avance. Vous avez les warnings, monsieur.
et vous faites des gros écarts. Alors montrez-nous. J'ai le warning, je fais des gros écarts. Exactement. Ah ouais, monsieur, vous avez fait des écarts. Alors, j'ai juste soufflé là-dedans, vous avez déjà soufflé ou pas? Non. Ok, un souffle d'environ 5 secondes continue, sans vous arrêter. Okay. Oui. Allez-y. On va le tenir, monsieur. L'homme a du mal à tenir l'éthylotest. On le tient, nous. Je vais le tenir. Non, je vais le tenir. Ok. Pourquoi? Ok. Je vais le tenir. Point. Je le tiens. Enlevez votre main, s'il vous plaît, je vais tenir l'appareil. Vous venez de le faire tomber. Donc maintenant, c'est moi qui le tiens. Soufflez, s'il vous plaît, en 5 secondes. Non, plus longtemps. 5 okay secondes, on vous dira stop. Je vous dirai stop. Prenez une grande inspiration. Allez-y. Non, ça quand on pas dit stop, on ne pas dit stop. Prenez une grande inspiration. On arrête de jouer et on se concentre. Et le spectacle continue. On vous a dit stop. La prochaine fois, c'est la prise de sang, alors si... Et alors? Ne parlez pas comme ça, parce que je vais vous parler autrement. Bon, ouais. Non seulement Bakoua va vous parler autrement, mais moi aussi je vais vous parler autrement. Ok? Pourquoi? Parce que vous imitez. Je vais parler comment? Je vais vous dire une chose, parce monsieur que vous êtes dangereux sur la route depuis tout à l'heure, vous faites des écarts, d'accord? Vous avez failli foutre mon collègue ainsi que nous au tas, parce qu'on vous a suivi. Je vous demande de vous arrêter, vous le faites pas. Je vous demande de tenir l'appareil, vous le faites tomber. Donc apparemment vous êtes ivre. D'accord? Apparemment. Bon, je vous demande de souffler là-dedans. Si jamais vous, je vous le dis, si vous ne pouvez pas souffler, on vous amène à l'hôpital, c'est une prise de sang, direct. Ok? Donc ça vous y mettez un petit peu du vôtre. Ouais, tu reviens de temps. Allez, correctement. 5 secondes environ. 5 secondes. Okay. Pour un petit plaque de fin. Allez. Encore. Allez. Vous n'arrivez pas? Vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de poumons? Vous avez un problème, je sais pas. Est-ce que vous avez des problèmes cardiaques? Vous avez des problèmes de poumons? Non, vous n'avez pas de soucis de souffle, d'asthme, des choses comme ça? Ça va? Je comprends vraiment. Ok. Alors soufflez un peu moins fort. Ne mordez pas. Ne mordez pas l'embout. Prenez bien l'embout. Ne soufflez pas trop fort. Plus longuement. Plus longuement. Allez-y, allez. Allez, on peut vous en faire encore? Mais non, monsieur. On va vous arrêter. Faites exprès. Faites exprès ou quoi? Faites exprès ou quoi? Ne pas réussir à souffler plus longtemps. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Comme ça. C'est tout ce que je vous demande. Alors, ça va être compliqué. On va pas aller beaucoup plus loin. Je peux pas aller au-delà. Alors, donnez-moi un truc, je vais ressouffler là. C'est mais me... Ne me demandez pas, ne dites pas que je vous demande, je vous demande. Pas que vous trichiez, on disait que... Bon, allez, faites un effort, on va pousser. 5 secondes. Ça va faire un moment, je souffle. Ouais, vous n'arrivez pas. Encore. Vous arrêtez avant. Ah, ça y est, ça va cacher. Ça devrait être bon. Alors, cette fois, le test est réussi. Et comme les gendarmes le craignaient, il est positif. On vous a fait faire le truc, là, vous avez soufflé. Ça, c'est un peu. Je suis en état alcoolique, là. Alors, je vous explique. Là, vous êtes positif. Ça, regardez, ça montre que vous êtes positif. D'accord. Maintenant, il nous faut un taux. D'accord. D'accord. Pour savoir dans quelle tranche vous êtes. Donc alors, on a deux solutions pour ça, monsieur. Écoutez-moi. Écoutez-nous quand monsieur on vous parle, monsieur. Monsieur. Mais je vous écoute. Oui. Ok. On a deux solutions pour vérifier votre taux d'alcoolémie. Ok. La première solution, c'est avec l'éthylomètre ici. C'est-à-dire que soit vous soufflez, vous devez souffler dans un appareil. Mais l'homme ne veut rien entendre. Vous donc vous n'écoutez pas grand-chose. Non, mais attendez. Quand je vous demande de m'écouter, un petit peu de respect. Restez. Je vous écoute et je vous respecte. Alors vous me tournez le dos et vous rentrez dans votre voiture. Voilà, et alors je vais mettre mon truc en charge. Alors, me cassez pas les couilles. Vous tournez je le dos. Je vous écoute. Monsieur, baissez d'un ton, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas à entendre ça. On fait notre travail, d'accord? Et alors? Ça peut se faire dans le calme, et ce serait mieux. Et alors? Je vous respecte pas? Pas vraiment, là. Pourquoi? Ouais, non. Pourquoi je vous respecte pas? Écoutez le ton avec lequel vous êtes en train de parler, là. Ok? Là, vous descendez d'un ton, ça se passe différemment. Ok, on va essayer de travailler. Allez, on va essayer de travailler téléphone, calmement. Calmement. Okay? On verra pour appeler votre femme après. D'accord? Impossible de faire souffler cet homme dans l'éthylomètre. C'est à l'hôpital que les gendarmes devront donc mesurer son taux d'alcoolémie avec une prise de sang. 2018, s'il n'est pas signé ici, il ne passe pas très bien. On fait la prise de sang, c'est même... Du coup, 18h35. Nous avons décidé de le contrôler. Il était, comme on s'en doutait, positif à l'alcool. Il a mis beaucoup de mauvaise volonté à souffler à l'éthylomètre. Donc nous avons choisi de l'amener au pôle de santé pour une prise de sang, pour vérifier le taux exact.
avec l'infirmière, le sketch continue. Cette fois, il refuse de s'asseoir. Mais moi, je ne m'assoirai pas. Pas une mention. Je ne m'assois pas. C'est 63 ans, je ne vais pas m'asseoir. Si moi, j'ai ici, je ne m'assois pas, je ne m'assois pas. Le résultat de la prise de sang sera connu le lendemain. Mais en attendant, l'homme est incapable de reprendre un volant. Et les gendarmes ont appelé sa famille pour venir le chercher. Est-ce que vous avez l'ordinateur? Vous êtes positif. Donc, tant que vous n'avez pas l'ordinateur, ça veut dire que vous préjugez du fait que je puisse être bourré. Vous en savez? Non, mais vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Même le médecin a fait des constatations. Monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait comme constat, le médecin? Je vais parler de ça parce que ça va m'agacer encore un peu plus. Eh bien, agacez-vous. Oui, oui. Qu'est-ce que vous... Pourquoi vous agacez? Il en est où, mais vous, vous m'agacez depuis tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous? C'est ça à faire. Ah oui, parce que vous êtes la justice. Ouais. Non, je parle pas autrement, je parle comme j'ai envie de parler. J'ai 63 ans, je parle comme je veux. Je vous respecte. Ça ne donne pas le droit, monsieur, de parler n'importe comment à n'importe qui. Mais vous n'allez pas me faire autorité, vous. Et je ne suis pas... Autant le monsieur est sympathique, autant l'autre est sympathique. Ah, vous, vous êtes très antipathique. Ouais, ah, donc le reste, c'est mon autorité, c'est mon droit. On va plus parler tous les deux, comme ça calme. Mais j'ai pas envie de parler, où moi, j'ai rien à foutre de vous. Quelques minutes plus tard, la famille arrive enfin. Eh bien, je suis en prison, les flics ont dit que j'ai pété, c'était pas normal, enfin, moi aussi, oui, je suis en prison. Son épouse règle les formalités. On s'occupe de toi. De tes papiers et de la suite, parce que tu crois que tu t'en sors tout blanc. Non, tu rêves là. Quoi, je m'en sors tout blanc, quoi. Maintenant, c'est le résultat de la prise de sang. On verra, voilà, là, le résultat, je pense qu'il va être pas très, très bon pour toi. Hein. Non, on ne sait pas. Non, ouais. Il sera moyennement. Oui, peut-être. Au revoir, je sors la main. Moi, je fais, si ma voiture est abîmée, si ma voiture... Mais si, mais arrête, l'autre, il me fait le cinéma. Si ma voiture est abîmée, là, je fais comment? Je porte plainte quand t'as la marie? Eh ben, si vous voulez, essayez. Ouais. On verra ce... Comment c'est votre prénom, vous? Je vous ai dit. L'ambiance commence à se détendre. Mais alors que tout semblait bien se terminer, l'homme agresse Christelle une nouvelle fois. Mais pourquoi vous sortez ça? Ça me rend pas ça, Daniel Marine. Non, ça va encore. Mais pourquoi vous cherchez ça? Et Dominique, mademoiselle, c'est parce que monsieur, pourquoi vous sortez ça? Monsieur, Fuzos, je vais vous expliquer. Ça vous rend pas, c'est Fuzos. Vous cherchez. Et alors? Mais ça vous rend pas. Parce que la procédure. Mais putain, bordel de merde, si j'en vais tout seul. Oh, tu arrêtes. Arrête. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. On va manger. Arrêtez, ça sera l'appétit. Oui, allez. Bien sûr, vous faites votre boulot. Vous êtes un peu chiotte, mais je vous respecte. Mais c'est allez, pas bon, rentrez bien, monsieur. Je vais prendre la voiture et je vais reprendre la voiture dans ma voiture. Je vais revenir. Je vais vous klaxonner au carrefour. Vous ne pourrez pas, il y a d'autres femmes à votre copain. Bien sûr, mon copain, je ne connais pas comment ça marche. C'est moi qui ai fait. Allez, bonne soirée. Tout est bien qui finit bien. C'est en titubant que l'homme rejoint la voiture de ses amis. Le lendemain, les résultats de la prise de sang seront sans appel. L'homme avait un taux d'alcoolémie largement supérieur à la dose autorisée. Son permis lui a été retiré. Et alors ? Alors qu'il rentrait de patrouille, le lieutenant Christophe, le patron du peloton, reçoit un appel radio. On se rend donc sur Chemin Lamotte à Mios pour le véhicule qui aurait eu un accident. Arrivé sur place, première surprise, il s'agit d'une camionnette qui aurait terminé sa course dans le mur d'une maison. Pour une raison encore inconnue, le conducteur ou la conductrice a préféré prendre la poudre d'escampette. On va passer un DI8. Les gendarmes commencent par une enquête de proximité. Un voisin a assisté à la scène. Non, mais en fait, j'ai vu le véhicule s'arrêter là, la porte s'est ouverte, et ensuite le véhicule était en prise, et il a accéléré première, je pense, en prise, et il est venu mourir dans le mur là-bas. Une autre voiture est passée, une Mégane sombre, je pense que c'est une grande personne de couleur, il est allé voir au véhicule, et il est reparti en trombe après. Combien de temps après le 5 minutes.
Et le conducteur, vous ne l'avez pas vu partir dans une direction? Non, je ne suis pas sorti parce que si jamais il a bu ou quoi, j'ai pas envie de m'en prendre. Non, c'est clair. On ne sait jamais, je ne vais pas intervenir. Okay. Bon, on va fouiller Mios, on va essayer de trouver quelque chose. On verra bien. Pourquoi le conducteur a-t-il foncé dans ce mur? Qui est le deuxième homme qui est arrivé 5 minutes plus tard et qui est parti en trombe? Malgré ses années d'expérience, le lieutenant ne sait pas quoi penser. C'est bizarre cette histoire, que le grand Black arrive derrière, il regarde, ça colle pas. Qu'est-ce qu'il venait branler là? Oui, il venait cambrioler. Pas évident à ce stade de l'enquête de comprendre la raison de cet accident. Mais alors qu'il patrouille dans la ville, le lieutenant et sa collègue reçoivent un appel du centre opérationnel de la gendarmerie. Avec un fusil? D'accord, et dans son appartement. Putain. Bon, ok, je vous rejoins. Ils ont appelé pour dire qu'il y avait un gars retranché dans un logement, dans son logement, alcoolisé et armé. C'est le propriétaire de la camionnette. L'homme retranché chez lui avec un fusil serait le propriétaire de la camionnette qui a foncé dans le mur. D'après le message reçu par le lieutenant, il s'agirait d'un conflit conjugal et l'homme menacerait sa famille avec une arme. Une fois arrivés à destination, les gendarmes tombent nez à nez avec une femme un peu énervée. Et puis quoi aussi? Il ne fait pas à manger, il ne fait pas le ménage, il ne s'occupe pas des enfants, il ne va pas à l'école, de réunion des parents d'élèves, il ne fait que dalle. Hein? Les femmes, ce n'est pas des merdes. On doit respecter les femmes parce que les femmes, c'est une mère. Une mère, on doit la respecter. Je dois me laisser faire. On l'a invité à récupérer ses affaires. Et il récupère ses affaires, il se casse de là. Si cette femme est énervée, c'est que son mari aurait aussi détruit la vitre arrière de sa voiture. Il m'a fait ça deux fois, j'ai appelé la gendarmerie, on n'a rien fait. Et bien voilà, et bien aujourd'hui ça fait la troisième fois, donc maintenant j'ai agi. Voilà, c'est tout. La priorité des gendarmes est d'aller chercher le mari censé être retranché, armé, à l'intérieur de la maison. Mais surprise, il découvre un homme plutôt calme. Là, qu'est-ce que vous comptez faire ce soir? Parce qu'à mon avis, je reste pas là, parce que là, il va s'y mettre à quelques jours, je leur prends mort, il va s'y mettre à quatre, il va pas planter. Sa femme, en revanche, ne décolère pas. Attends, Terra, fous tout le camp vite dehors. Vite, hein, avant que je pète la colère. Parce que là, personne ne pourra me retenir, hein. Ça je peux te garantir. Hein. Et puis là, tu as intérêt à venir réparer ma voiture, et vite. Et vite. La voiture qui est posée, tu as intérêt à la réparer. Et la porte de la maison. Hein. Allez. Là, tu as intérêt. Ouais, ben vas-y, allez. Allez, monsieur. Fous le camp. Allez, bon débarras. Non, on ne vous embarque pas, monsieur. On vous transporte, c'est différent. Pour apaiser les tensions, l'homme ne passera pas la nuit au domicile familial. Ah ben, il était bourré, il a commencé, voilà, vous voyez, il a voulu m'étrangler au bar, au bistrot. Hein? C'est normal ça qu'un homme qui respecte, qui soi-disant respecte sa femme, hein, veut étrangler sa femme en public. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le camion contre le mur là-bas? Eh ben, parce qu'il a été, comme à chaque fois, la première fois, j'ai appelé la gendarmerie pour venir, parce qu'il voulait prendre son camion parce qu'il était bourré. On m'a dit non. Que de le laisser, rien. La deuxième fois, pareil. Aujourd'hui, le résultat est là maintenant. Selon la femme, ce serait donc son mari, alcoolisé, qui serait rentré dans le mur. Et la voiture? La voiture, là, c'est lui qui l'a cassée. Ma voiture, qu'il n'a pas casquée en plus. Parce que monsieur, il me donne 700 euros pour aller acheter une voiture. Depuis quand on donne 700 euros pour acheter une voiture, alors que monsieur, hein? Monsieur, pour ces pétasses, il a l'argent pour donner. Une chose est certaine, ce couple semble vivre une période difficile qui pourrait conduire à un drame. En inspectant la maison, les gendarmes ont découvert deux fusils. Par précaution, les armes sont confisquées. Bon, on a préféré récupérer les cartouches et les fusils par sécurité, en fait. Il a expliqué ce qu'il avait fait avec le camion, pourquoi il avait percuté un mur. Il dit que c'est pas lui. Une question reste donc sans réponse
comment le camion du couple s'est-il retrouvé dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture exactement là-bas? C'est un Français. Mais ça, j'aimerais bien le savoir. Ma femme l'a pris et puis il a fracassé contre le mur de chez mon ami. Alors, qui a foncé dans le mur avec le camion? Le mari ou sa femme? Allez, barre-toi! Incapable! Même pas capable de supporter d'être parent! Père! Un père! Dans la nuit, une dépanneuse emmènera le camion à la fourrière. Son propriétaire dormira chez un ami, le temps que la gendarmerie termine son enquête. Là, vous êtes face à une situation qui arrive assez souvent quand même. Alcool et misère sociale sont les deux problématiques que l'on rencontre. En tout cas, c'est les deux faits caractéristiques que l'on retrouve dans tous les différents familiaux. Et ce sont des schémas pour lesquels il faut adopter la plus grande vigilance, parce qu'on a, on peut avoir sur un événement qui paraît tout à fait normal, on peut avoir une dégradation de la situation très rapide. Les disputes conjugales concernent peu les gendarmes de Mios, spécialisés dans la sécurité routière. Et le lendemain matin, ils vont devoir mener à bien une mission délicate. Le jour n'est pas encore levé, mais Christophe enfile déjà son gilet pare-balles, obligatoire depuis les attentats, et aussi sa veste renforcée. Le gendarme est un peu tendu. Il y a toujours du stress parce qu'il y a une autorité derrière, parce qu'il y a une mission assurée, parce qu'il peut se passer n'importe quoi pendant la mission. En espérant ne pas avoir de soucis de moyens de communication, des soucis mécaniques avec la moto, des soucis... des problèmes sur le réseau routier, un embouteillage ou un accident qu'on n'avait pas prévu, et voilà. Christophe n'est pas seul. Avec deux autres motards, ils vont rejoindre le reste de la troupe au péage. La mission du jour, escorter une ministre de passage dans la région et assurer sa sécurité au milieu du trafic. C'est le capitaine Maxime Delaporte qui dirige l'opération. L'escorte a été prise en compte à Mont-de-Marsan il y a 10 minutes, donc ils sont à peu près sur le même timing. Dès qu'ils arrivent, ils enquillent derrière nous et derrière vous. On marque pas de temps d'arrêt et on part direct. Normalement, départ d'ici 15 minutes. Le but de la mission, là, pour nous, c'est vraiment d'arriver à faire passer le convoi ministériel sans aucun temps d'arrêt. Parce que là, c'est vraiment une partie qui est dangereuse pour eux. Un convoi comme ça qui s'arrête est susceptible d'avoir des problématiques diverses et variées. Ça peut être des missions sensibles. C'est toujours des missions sensibles. C'est-à-dire? Des visites ministérielles, c'est toujours ce qu'on classe en mission sensible pour nous. On n'a pas le droit à l'erreur là-dessus. Mais le convoi est en retard et la circulation commence à s'épaissir. Ah ben, tu vois, c'est déjà le brun, donc... C'est-à-dire? Tu vois la circulation, tu as vu la circulation qu'on a vue en arrivant? Ça va vite saturer, la rocade va commencer à saturer. Et tu vas voir le bouchon qui va descendre de la 62 pour arriver jusqu'ici. T'as compris que la mission? Ça va la rendre plus intéressante. C'est-à-dire? C'est effectivement plus compliqué pour les motocyclistes, mais c'est là tout le cœur de notre métier. Le convoi est à 3 minutes. 3 minutes avant le top départ pour nous. Cette fois, la voiture de la ministre arrive. Les gendarmes des Landes vont passer le relais à ceux de la Gironde. Ok, ouais. L'escorte EDSR 40 est arrivée sur la barrière de péage. Ok. Ouais, mettez les bleus avant-arrière. Major, le feu arrière. La voiture de la ministre ralentit au passage de témoins, mais elle ne s'arrête pas. Et l'objectif est de faire en sorte qu'elle ne s'arrête jamais pour ne pas la mettre en danger. Les gendarmes de Bordeaux prennent le relais. À présent, c'est à eux de jouer. Allez, 282, bravo, prise en compte du cortège ministériel. C'est parti pour 60 km dans une circulation difficile. Ben nous, on va commencer les embouteillages maintenant. Donc, je vous préviens quand on arrive sur la fin de rocade. Parce que là, le binôme de tête, ils vont avoir du boulot.
peux me coller, Dobby? Ouais, on vous colle, on vous colle. Le travail des motards n'est pas simple. Ils doivent créer une troisième voie sur une autoroute qui n'en compte que deux. Gyrophares et deux tons, les gendarmes écartent les automobilistes. Mais certains ont du mal à comprendre. C'est ça. Ah, mais regarde celui-là. L'automobiliste finit quand même par se ranger. Delta 220, Delta 220 de 82, bravo, parlez. Arrivé sur la rocade bordelaise. Arrivé sur la rocade bordelaise, on prend par l'extérieur. À l'extérieur, le trafic devient plus fluide. Mais les motards doivent rester vigilants. D'autant qu'une voiture veut se rabattre sur eux. Attention, il y a une Golf qui passe. Vous l'avez bloqué ? Ok, ça marche. Ministre derrière nous, c'est bon. La Golf reste sur la file de gauche. Et la voiture de la ministre passe sans difficulté. Ok les gars, normalement ça devrait bien se libérer de notre côté. On aura encore un point noir. On arrive juste avant l'autoroute à 10. Dans quelques minutes, si tout va bien, la mission sera accomplie. Et les motards ont réussi à faire du super boulot pour ouvrir les. Enfin, pour faire écarter les fils sur l'arrivée à Bordeaux. Et là, ben, finalement, il y a un petit peu moins de circulation que prévu sur la rocade bordelaise. Donc pour l'instant, ça se fait plutôt pas mal. On sera dans les délais. Et comme la route est fluide, les gendarmes en profitent pour rattraper le retard de la ministre. Du coup, on se met à 20 km au-dessus de la limitation de vitesse pour gagner un tout petit peu de temps. On vous suit. Après une pointe à plus de 170 km/h, la ministre arrivera à destination à l'heure prévue. Delta 220, Delta 220 de 82, bravo, parlez. On vient de rentrer sur l'autoroute A10, donc on est là d'ici une petite dizaine de minutes. J'ai demandé au PMO de Saint-Aubin-de-Blaye qui est avec toi de commencer à se préparer pour l'ouverture de péage. Et puis nous on enquille directement pour te donner la suite. Voilà. De rien. Allez, à toutes. Ok. Quelques minutes plus tard, le péage est en vue. Un autre peloton moto va prendre le relais pour amener la ministre à bon port. Ok, on se colle à droite. Le capitaine et les trois motards ont réalisé un sans faute. Et la ministre, c'est bon. Ben voilà. Fin de mission pour le DSR 33. Fin de mission pour le DSR 33. La ministre a été confiée à l'escorte EDSR 17. Ok, nickel. Merci pour l'ouverture, super fluide. Donc ça nous a permis de bien passer avec de la marge avec le véhicule ministre. Merci pour le comité d'accueil là aussi, puisque du coup c'était bien propre et dégagé largement sur la barrière de péage et ça a permis de bien confier le convoi à l'escorte suivante. Donc super et puis bravo parce qu'on a récupéré à mon avis les 10 minutes de retard qu'on avait. Donc mission accomplie, parfait. Retour Bercail. Cette année encore, les gendarmes de Mios et de Mérignac